Bien, écoutez, il est... on ne va pas vous faire des discours, hein, il est là. On va le faire venir. Voilà. Steven. Thank you. Je t'aime. Merci. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. I'm not going to recover from that. Je ne me remettrai jamais de cette émotion. C'était incroyable. Eh bien, d'abord, bonsoir. Nous avons fait les autres salles d'abord, parce que Steven a voulu absolument saluer les autres, les deux autres salles, qui sont pleines aussi, et qui malheureusement ne le verront pas directement. Eh bien, il y a à peu près 3 ans, avec Serge Toubiana, nous étions à Los Angeles, et l'idée nous est venue, je crois que c'était la vôtre, Serge, ou je ne sais pas, l'idée, de... plutôt, nous avons compris le manque qu'il y avait à la Cinémathèque, c'est-à-dire que le plus grand metteur en scène du monde n'était pas présenté à la Cinémathèque française. Alors, je l'ai appelé et immédiatement, il a réagi positivement. Il a dit oui, je viens. Il a fallu attendre un peu parce qu'il faisait 2 films. Alors, Steven, je vais vous dire 2 choses. Nous considérons, ici à la Cinémathèque, où nous sommes très heureux que vous soyez là, le public l'a montré aussi, que vous êtes le... disons, le plus important metteur en scène du monde, le plus populaire, c'est lui qui a une œuvre très variée et d'une grande qualité de chaque film. Je pense même que, à part Charlie Chaplin, je ne vois pas que l'autre metteur en scène a cette grande popularité. Parce que vous avez réussi à avoir en même temps des grands films et aussi avoir une relation très directe et permanente avec le public et avec tous vos films. Alors là, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Quel est votre secret? Il est vrai que Cocteau disait qu'il y a des règles pour faire un succès, mais nous ne les connaissons pas. J'ai l'impression que vous les connaissez. Alors, si vous les connaissez, dites-le. Nous sommes à la Cinémathèque, je vous promets que ça ne sortira pas d'ici. If I have a secret, si j'avais un secret, et si quelqu'un connaît le secret, je serais bien content qu'il me le dise à moi, parce que moi non plus, je n'ai pas la moindre idée, je ne sais absolument pas. Vous savez, tout d'abord, c'est un immense honneur, un immense privilège de me retrouver de retour ici à Paris, surtout devant un public aussi jeune, de cinéphiles, de cinéastes, de gens qui adorent le cinéma. Et je veux dire que moi, j'ai commencé à faire du cinéma quand j'étais gamin, parce que je ne voyais rien de plus amusant à faire que cela. J'étais qu'un gamin de 12-13 ans, il n'y avait rien d'autre à faire, en tout cas sur Terre, qui puisse m'intéresser autant que de prendre une caméra de 8 mm et puis raconter une histoire en 3 ou 4 minutes. Et moi, je me dis que s'il y a un secret, de quelque manière que ce soit, une explication de ma passion depuis toutes ces années, c'est que lorsque je fais un film aujourd'hui, eh bien, j'ai la même sensation, la même énergie nerveuse, la même excitation. Et je me ressentais exactement la même chose à 12-13 ans. Et maintenant, je viens d'avoir 65 ans, j'éprouve la même émotion et ceci n'est pas parti. Peut-être que lorsque l'émotion partira, peut-être, mais sinon... Serge, sur le film de ce soir. On avait décidé de commencer par vous interroger sur War Horse, le film que le public que nous venons de découvrir. Et pouvez-vous nous dire, Steven Spielberg, pourquoi vous avez eu envie d'adapter ce roman et cette pièce de théâtre pour en faire un film? Qu'est-ce qui vous motivait dans l'histoire de Joey, ce cheval? Vous savez, lorsque j'ai lu le livre de Michael Morpurgo,
C'est écrit en 1982. J'étais très étonné que personne n'ait écrit, n'ait fait quoi que ce soit avec. J'ai vu l'adaptation dramatique au théâtre et j'étais très étonné de voir que personne n'en avait fait un film. Pourquoi ? Parce que le récit seul est déjà en soi, c'est déjà un film. Quand vous lisez le livre, lorsque vous voyez la pièce, vous avez déjà un film sous les yeux. Et j'étais tout à fait stupéfait que personne n'avait eu l'idée de prendre ce récit très clair, l'histoire d'un garçon qui élève un cheval, l'histoire du cheval, le cheval qui sauve la ferme et qui est ensuite envoyé sur le front de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Et le gamin se retrouve dans le conflit mondial pour essayer de sauver son cheval. Enfin, c'est une histoire très claire. J'adore les histoires qui sont parfaitement claires dès le départ, qui ne sont pas encombrées de, comment dirais-je, de symbolisme ou de métaphore excessive. Là, il n'y avait rien de symbolique. C'était une histoire toute... Alors évidemment, on peut trouver de la métaphore, du symbole un peu partout, mais pour moi, c'était une histoire très affective, très, très claire, qui m'allait droit au cœur. J'ai pleuré quand j'ai vu la pièce sur scène. Et vous savez, j'ai fait un film pour d'autres raisons. Bien entendu, je ne veux pas que mon public pleure, c'est pas ça. Mais je voulais montrer qu'au beau milieu d'une guerre, et notamment la Première Guerre mondiale, qui était essentiellement livrée ici, en France, ce que je voulais montrer, c'est que les différences entre les hommes peuvent se suspendre un instant lorsqu'il y a une admiration mutuelle autour de cet animal. Vous avez les deux côtés opposés qui se retrouvent ne serait-ce que pour 4 minutes. C'était en quelque sorte le noyau de cette histoire. Vous avez dans ce film une chose très inhabituelle. D'abord, vous avez un animal. On déteste avoir des animaux dans un film. C'est la chose la plus difficile. Ça coûte cher. Eh bien, vous avez un animal, un cheval, qui est un acteur. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est un cheval savant que vous avez rencontré quelque part, ou c'est un cheval que vous avez complètement éduqué ? Vous avez fait éduquer, naturellement, exactement. On lui a fait apprendre ce rôle et qu'il le joue dans le film, parce qu'il est absolument étonnant. C'était un cheval extraordinaire. Et il y avait en fait plusieurs films dans le rôle de Joey. Il y avait un cheval qui a fait toutes les courses sans cavalier. Il y avait un autre cheval qui sautait. Mais essentiellement, il y avait essentiellement deux films. Un cheval qui s'appelait le Finder et l'autre qui s'appelait Abraham. Alors, moi, je ne parlais pas directement aux chevaux qui ne faisaient que me regarder sans réagir. Ils me regardaient comme ça. Bon. Alors, quelquefois, ils écoutaient ma voix, et puis après, ils perdaient l'intérêt très rapidement. Donc, j'ai engagé un homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, qui s'appelait Bobby Lovegren, qui a fait ce travail. J'ai produit d'ailleurs un film, ma société a produit un film qui s'appelle Sea Biscuit, et c'est Bobby qui avait dressé Sea Biscuit, et on a pensé à le faire venir sur ce film aussi. Et Bobby était en fait le cerveau de la communication entre le scénario, les besoins du scénario, mes propres besoins en tant que réalisateur, et évidemment le cheval qui devait réagir à son rôle. Et Bobby, grâce à son concours précieux, a réussi à dresser le cheval, lui faire faire ce qu'il fallait faire. C'était tout à fait extraordinaire de voir Bobby. Ça c'est le côté extraordinaire de l'histoire, de voir Bobby travailler avec ce cheval sans un fouet, sans appât de nourriture ou quoi que ce soit. Les chevaux l'écoutaient. Il devrait être le co-réalisateur de ce film. C'est assez incroyable de voir ce cheval, c'est vrai. Non, le cheval lui-même était très beau. Enfin, nous, dans notre ranch, on a une dizaine de chevaux. Ma fille participe à des concours hippiques. Mon épouse aussi travaille au dressage. Donc, on a toujours eu des chevaux à la propriété. J'ai toujours été stupéfait de voir qu'on s'intéresse tellement aux chiens qui sont quelque sorte la motivation, mais les chevaux sont beaucoup plus subtils que les chiens, mais ils sont pleins de compassion également. Et le début du film, ça ressemble à un film américain classique, je dirais. Un peu, j'ai pensé à John Ford, la terre, le ciel, cette petite famille de paysans qui ont beaucoup de difficultés. Est-ce que pour vous, c'est une référence de commencer un film par ce qui fonde au fond le cinéma classique américain, cette idée que sur ce petit lopin de terre, il va se passer l'histoire, et une histoire qui est fondée sur l'éducation, l'épreuve.
C'est de toute façon quelque chose qu'on trouvait dans le livre, c'est-à-dire la ferme, la famille démunie qui travaille dans des conditions difficiles, sur une terre ingrate, caillouteuse, rocailleuse. Bon, ça, c'était quelque chose. Enfin, c'est un décor qu'a planté Michael Morpurgo. C'est pas moi qui ai inventé cette idée, mais c'est effectivement une idée qu'on retrouve chez John Ford. Quelle était verte ma vallée, l'homme tranquille, tous ces classiques, on retrouve évidemment le paysage jouait un rôle en soi, rôle essentiel, et le récit lui-même s'appuyait justement sur ce décor. Et moi, en lisant le scénario, enfin, en lisant l'histoire, je suis revenu aux sources avec John Ford. Je crois que n'importe quel autre réalisateur en fait la même chose. Hein, on ne faut pas des gros plans, mais au contraire des plans larges. Et plus je pouvais reculer avec la caméra, mieux c'était, puisque le paysage est devenu un personnage du film, parce que la famille va survivre ou mourir selon ce que fera la terre. Et beaucoup d'hommes sont morts dans le No Man's Land, dans la Somme, dans la vallée de la Somme. Donc c'est important, le paysage. Albert revient chez sa mère, comme dans les grands films classiques aussi. Il revient au foyer. Et entre-temps, il a vécu la guerre. Il s'est émancipé, il s'est éduqué. On a le sentiment que ce film, War Horse, est un grand, comme dans les grands romans du 19e siècle, c'est un grand film sur l'éducation, sur l'épreuve de l'histoire et de la guerre. Absolument, absolument. Et là, on parle de l'ingrédient, des ingrédients principaux qui m'ont attiré justement à cette histoire. Précisément, les valeurs familiales, hein, le sel de la terre, ces valeurs-là qui ont fait, si vous voulez, de ce film quelque chose qui me paraissait irrésistible. Et moi, en voyant la pièce, j'étais absolument bouleversé, passionné, et j'ai lancé le film en l'espace de 7 mois. Et vous savez, dans l'industrie du cinéma, c'est très rapide de pouvoir commencer à tourner un film entre le moment où l'on commence à écrire le scénario et le moment où on dit moteur. Justement, dans le Devon, en Angleterre, il a suffi de 7 mois pour tout écrire, tout préparer. Ça, avec E.T., il y a vraiment un record. E.T., il a suffi de 7 mois entre le moment de l'écriture du scénario et le tournage. Pareil pour War Horse. Ce qui m'a très agréablement surpris, c'est la première partie du film. Je vais rebondir à ce que disait Serge. C'est que vous prenez tout le temps pour expliquer la vie de ces gens. Et vous me donnez l'impression que vous avez vraiment une connaissance d'agriculteur, la façon de voir la terre, de voir comment il est difficile de creuser la terre et de cultiver la terre d'une manière formidable. Et le problème que cela pose, c'est quand même formidable. C'est presque un documentaire. Je connais un peu votre biographie, vous n'êtes pas un homme de terre. Look at these hands. Regardez ces mains. Elles n'ont jamais touché même l'eau d'un puits ou d'un évier. Donc il faut reconnaître qu'effectivement, je ne suis pas un homme de la terre. Je suis le grand communicateur, celui qui assure la communication entre le livre et le public. Et je n'ai pas dû, en quelque sorte, me salir les mains. Enfin, le plus gros danger, c'est tomber dans un trou dans les tranchées quand il pleuvait. La veille du tournage, il y avait un grand trou. Personne m'a dit que les effets spéciaux avaient planqué un dispositif explosif et la pluie avait enlevé les cônes d'avertissement et j'avais glissé dans un trou. Ça, c'est ma seule expérience de la Terre. En quelque sorte, j'ai payé mes hommages à la Terre. Filmer la Première Guerre mondiale, pour vous, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous avez appris sur cette guerre? Qu'est-ce qu'elle avait de spécifique par rapport à la Deuxième Guerre mondiale en termes de mise en scène, en termes de cinéma? Vous savez, d'abord, il y a eu beaucoup de travail de recherche au musée de la guerre, le Imperial War Museum à Londres, et j'ai vu des photographies absolument extraordinaires. Et évidemment, c'était la guerre qui avait fait l'objet du plus grand nombre de documentaires, de photos. Enfin, c'est la première fois qu'il y avait des films de 35 mm qui sont allés filmer la guerre sur le front, parce qu'avant, il y avait des photos du 19e siècle, des conflits précédents. Mais là, vous aviez effectivement un film, les premiers films
film qui était tourné. Donc c'était un vrai changement de paradigme pour l'histoire cinématographique, puisque c'était également le moment de l'invention de l'avion, qui a été utilisé immédiatement comme instrument de terreur, de guerre, de même que le char qui était là, qui avait été inventé tout de suite, et puis évidemment la guerre des chimiques avec les gaz et les gazés du premier conflit, et tout cela a dessiné évidemment l'avenir de manière très effrayante. Et il y avait tellement de choses qui pouvaient trouver leur place au cinéma, mais que je ne pouvais pas évidemment raconter parce que l'histoire humaine était plus importante. Et en fait, la guerre était l'arrière-plan, mais n'était pas l'objet du film lui-même. Je disais, quand on discutait avant avec Steven, je lui disais le plan de la première attaque, quand il sort de tranchée et il attaque, c'est un plan absolument extraordinaire. Je ne crois pas l'avoir vu une autre fois au cinéma. Est-ce que vous avez un storyboard quand vous faites naturellement ce film, parce que c'est une énorme production. On se demande vraiment, on ne peut pas improviser ces choses-là. On ne peut pas arriver sur le plateau et dire, voilà, on fait ça et ça, etc. Absolument, et pas seulement un seul storyboard, mais plusieurs, parce qu'il fallait montrer aux dompteurs de chevaux ce que les chevaux devaient faire, et pas simplement un storyboard pour le film lui-même, mais il y avait des animations en prévision, en prévisionnage plutôt, pour montrer ce que le plan des hommes qui sortent des tranchées, Joey qui court désespérément dans le No Man's Land. Tout ça, c'était quelque chose que j'avais pu pré-filmer en quelque sorte. Donc toute l'équipe technique pouvait voir si c'était faisable ou non. Les dresseurs de chevaux m'ont dit, est-ce que ça c'était faisable ou non, est-ce que Joey pouvait galoper là. Et il y avait plein de scènes qui n'étaient pas jouables, qui n'étaient pas faisables parce que c'était trop dangereux. Évidemment, je ne voulais pas que ce soit uniquement un film qui concerne les chevaux, il y avait aussi les hommes. Partout dans la salle, on voit si on a affaire à des effets spéciaux, des images de synthèse ou des vraies images, et on voit tout de suite, et le public s'en rend compte tout de suite. Donc la crédibilité se perd si on se rend compte que c'est un trucage. Donc je ne voulais pas que War Horse soit un film numérique, et donc bien souvent il y avait des scènes auxquelles j'ai dû renoncer. Ce qui m'a impressionné beaucoup dans War Horse, c'est la double approche. C'est à la fois un film sur la guerre et c'est un conte. Et j'ai le sentiment que là vous vous y retrouvez complètement en tant que cinéaste, parce que vous avez toujours filmé la guerre, mais ce qui prime chez vous c'est le récit, c'est raconter une histoire. Et là le conte est formidablement prenant, parce que c'est un conte sur l'enfance, sur l'éducation, sur la formation. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose, ce duo, filmer la guerre, faire un conte pour les enfants, le public? Et c'est vrai, cette dualité est là, et c'est un film, peut-être pas pour enfants, mais pour toute la famille, en fait. Et on pourrait imaginer des gamins de 6-7 ans qui pourraient voir les films seuls ou avec leurs parents, parce qu'il y a des scènes extrêmement intenses. Mais effectivement, c'est un film destiné à la famille, et c'est pour ça que je n'ai pas pris la même approche que pour Le Soldat Ryan ou les séries télévisées sur le Pacifique, par exemple. Je ne voulais pas, évidemment, il y avait la réalité des soldats, mais ce n'était pas ça que je voulais raconter. Je voulais montrer finalement un récit, un conte, comme je l'ai dit, essentiellement romantique, l'amour pour un animal, ce que ce garçon fera pour retrouver son cheval, et puis ce cheval touche la vie de tout le monde, des deux côtés d'ailleurs des tranchées. Quelles ont été les plus grandes difficultés sur ce film pour vous? Sont des difficultés liées au fait de diriger un cheval? Quelles étaient pour vous les choses les plus difficiles qui vous ont appris quelque chose sur votre métier, peut-être? Vous savez, si j'ai appris quelque chose, c'était la patience, l'art de la patience. Parce que quand on travaille avec des animaux, si on n'a pas de patience, il ne faut pas travailler avec des animaux. Pareil avec les enfants, d'ailleurs. Il faut beaucoup de patience. J'en ai fait l'expérience avec E.T. Il faut avoir beaucoup de patience. Mais si on a cette patience, et l'on attend, alors vous êtes largement payé en retour. Et moi, j'ai essayé de montrer, faire preuve de patience sur E.T. avec Drew Barrymore, ces moments vraiment où elle s'éveille à l'écran. C'est des vrais grands moment de cinéma, c'est cela qui, pour moi, a rendu le film réel, en quelque sorte, mais parce qu'on a pris le temps d'attendre que Drew ait une idée, qu'elle ne soit pas consciente des caméras tournées sur elle, et c'est comme ça qu'on a pu commencer à faire sortir quelque chose de cela. Pareil pour Joey, il y avait les dompteurs, les dresseurs, mais les chevaux même. Au bout d'un certain temps, si on attendait, eh bien, les chevaux apportaient quelque chose au film qui ne faisait pas partie du scénario. Un exemple, lorsque Phil Mullen, qui joue
joue le père. Donc, hein, n'achète pas le cheval qu'il fallait parce qu'il veut simplement, bon, il veut faire la nique à son propriétaire qui est joué par David Foulos. Donc il vient avec pas avec le bon cheval, et la mère est furieuse parce qu'il est censé acheter un cheval de labour pour pas grand chose. Il revient, il a dépensé tout son argent sur le cheval qui n'était pas celui qu'elle voulait, et donc elle est furieuse, elle lui demande combien il a payé, et là, à ce moment-là, le cheval décide de frotter sa tête sur le corps de Peter, sur son épaule, sur son dos, il se frotte, et quand Peter dit 30 guinées, le cheval l'embrasse pratiquement deux fois de suite, et Joey, on n'a pas dit à Joey de faire ça, c'est l'improvisation de Joey dans le film, une scène improvisée, un cheval qui a improvisé, c'est probablement le cheval avec le meilleur don d'improvisation, parce que cette improvisation était merveilleuse, et nous on était là à filmer ça. Alors on n'osait pas, évidemment, on voulait pas cacher le son parce qu'on était mort de rire, mais il y avait Joey qui interagissait de manière presque consciente avec les acteurs qui continuaient leur dialogue, et ça s'est produit pendant tout le film. Mais alors, bon, c'est vrai que vous l'avez dit, le cheval vous l'avez pas dirigé, mais comment faites-vous pour diriger vos acteurs en général? Quel type de relation d'abord vous avez avec vos acteurs? Je pense que je demande des questions un peu techniques parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui peut-être un jour seront des metteurs en scène, comme c'est déjà arrivé à la Cinémathèque. Comment on dirige, vous dirigez, vous Spielberg, dirigez vos acteurs? Je crois que la première chose que fait, mais vous l'avez peut-être lu dans des livres, il y a beaucoup de réalisateurs qui vous diront la même chose. Et si je vous le dis, c'est que c'est vrai. La meilleure chose que vous puissiez faire en tant que réalisateur, avant de vous demander comment vous allez le diriger, c'est de trouver le bon acteur pour le rôle. Si vous n'avez pas le bon acteur, il va falloir vous donner 10 fois plus de mal qu'il le faudrait, et vous regretterez cette erreur de casting parce qu'il faut tout recommencer pratiquement. Donc, moi, je passe énormément de temps à trouver les bons acteurs, parce que si je me trompe d'acteur, je sais que cela va me distraire de mon vrai travail de réalisateur, et j'aurai toujours à cœur de lui faire faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc ça, le plus gros du travail, c'est de trouver ces bons acteurs. Une fois que ceci a été fait, eh bien, il faut écouter ce que ces acteurs ont à proposer, parce que ce sont des gens qui répètent leurs scènes, leur tirade, leur réplique avec leurs amis devant un miroir, ils font un travail de recherche, ils font leur propre, ils écrivent leurs journaux, leurs sensations, et quand ils arrivent sur scène, ils ne veulent pas que le réalisateur dise « j'en ai rien à fiche de vos idées, moi j'ai tout prévu, tout scripté, vous commencez là, vous asseyez sur la chaise », non, ça c'est pas ce qu'ils veulent. Pourquoi choisir un acteur de talent si vous préférez votre propre talent à leur? Donc la deuxième chose, écoutez vos acteurs parce qu'ils peuvent apporter quelque chose de très précieux à l'histoire que vous lui racontez. Vous apprenez beaucoup de choses sur votre propre histoire parce que le film lui-même évolue. Parce qu'un film, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose. C'est comme un organisme vivant qui évolue sans arrêt. Même si on ne tourne que pendant 25 jours ou même 2 semaines, le film évoluera de jour en jour et on verra comment il peut lui-même raconter une meilleure histoire. Et moi, ce que j'ai toujours appris de la part des autres réalisateurs, mais même ma propre expérience, c'est qu'il faut écouter plus que parler. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas réalisateur parce qu'on ne dit pas ce qu'il faut faire, mais vous posez la caméra, vous décidez du type d'objectif, où vous posez la caméra, même comment bloquer les personnages, mais il faut d'abord les écouter. War Horse est très souvent filmé en plan large. On a le sentiment que vous voulez donner aux spectateurs le sentiment du paysage, de l'espace, et aussi de la liberté que le cheval a, parce que le cheval, il a vraiment... Il sort, il rue, il a du mal, il ne veut pas être éduqué, il ne veut pas être enfermé. Et c'est important pour vous de raconter ce film en plan large? Bien sûr, parce que si on filme sans grand plan large, en une seconde, le cheval aura quitté le plan. Il faudrait tout ralentir. Enfin, de toute façon, il vous faut un grand espace pour pouvoir suivre le cheval. Donc, de toute façon, il y a une obligation, ne serait-ce que pour que le cheval puisse traverser l'écran. Lorsqu'il fait 3 mètres, bon, un personnage, un homme peut franchir 3 mètres en une minute, mais un cheval, il met 3 fois moins de temps.
Donc, il y a ça. Puis évidemment, le paysage lui-même, puisque la puissance de la terre, il fallait la montrer, l'importance du paysage et de la terre dans la vie et la survie de cette famille démunie. Donc, évidemment, ces plans larges ont plusieurs objets. Mais quand vous allez dans ce paysage extraordinaire de Devon et vous voyez les nuages qui viennent de l'océan à des dizaines de kilomètres, mais ces nuages qui arrivent à toute vitesse, et à la fin du film d'ailleurs, lorsque Joey revient avec son cheval, avec Albert, plutôt avec son cavalier, et ça c'est les nuages qui arrivent, on n'a rien truqué, c'est vraiment ce qui s'est produit, et j'ai espéré que les nuages se dégagent pour faire apparaître Albert sur son cheval, et on a même pu filmer pendant la pluie quand il le fallait, c'est-à-dire qu'on tenait compte des conditions météorologiques pour tourner les scènes qui convenaient. Par exemple, quand il y a la pluie, on est revenu à la scène du labour. Il pleuvait effectivement et on a pu améliorer, bien entendu, les images de pluie avec des arroseurs, avec de la pluie artificielle pour qu'on puisse voir les grosses pluies, mais il pleuvait effectivement quand il avait l'air de pleuvoir. Le long de votre film, quand on regarde les crédits, comme vous dites, on voit les mêmes personnes, les mêmes collaborateurs, que ce soit la productrice, que ce soit le chef opérateur, Kaminski, que ce soit le musicien. C'est important pour vous de travailler avec les mêmes personnes ? Mais oui, c'est important de travailler parce que mais Johnny Williams et moi, c'est notre 40e année de collaboration ensemble. Et on avait commencé en 1972 avec le Sugarland Express. Et Kathy Kennedy, c'était d'abord ma secrétaire, puis ensuite, 3 ans plus tard, elle était, ou 4 ans plus tard, elle dirigeait la production sur E.T. Et lorsqu'on trouve des gens avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on peut, évidemment, se simplifier la vie, parce qu'au bout du compte, il faut quand même se dire que c'est faire un film avec des étrangers, c'est deux fois plus difficile. Donc, j'ai le même monteur, c'est Michael Kahn qui a monté tous mes films depuis Close Encounters, depuis Rencontre du Troisième Type. Janusz Kaminski est le chef-op depuis Schindler's List, depuis 1993. Et moi, je trouve ça essentiel parce que vous avez des gens qui sont un peu comme des caméléons, qui peuvent s'adapter, qui n'apportent pas leur marque, leur griffe indélébile et qui devient répétitive et ennuyeuse au bout de quelques films. John Williams peut changer de style musical et peut écrire la bande originale de n'importe quel film, s'adapter. Janusz Kaminski peut adapter la lumière, quels que soient les besoins du film. Et l'un de mes plus grands compositeurs, c'est Bernard Herrmann, qui a fait tous les films, des musiques, des films de Hitchcock, vous le connaissez sans doute. Mais son style musical, on le reconnaissait tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se tromper. Dès qu'on entendait les premières notes, on savait, peut-être à l'exception de Taxi Driver ou un ou deux films, quand on entendait sa musique, on reconnaissait le compositeur. Dimitri Chomkin, pareil, on le reconnaît tout de suite. Alors que Johnny Williams, non, lui, il s'adapte à chaque film. Et mes collaborateurs sont un peu des caméléons de ce point de vue-là. Est-ce que vous intervenez et comment quand tu fais de la musique ? Ou par exemple, le chef opérateur, quand il éclaire ou avant, est-ce que vous intervenez aussi ? Et comment vous vous mettez d'accord sur tel ou tel style photographique ou sur tel style de musique ? Yeah, of course. You know, bien of course. Sûr, quand même. alors, je peux voir Yannou, je veux dire, je veux les silhouettes jusqu'à ce qu'ils ouvrent la fenêtre, qu'on ne voit que des ombres qui se découpent, ou bien je ne veux pas de lumière artificielle, je ne veux pas, je veux que le côté gauche de leur visage, etc. Bon, ce genre d'instruction, évidemment, je peux avoir mon mot à dire, surtout si cela sert le narratif, le récit, mais pour l'essentiel, je pose la caméra, le choix des objectifs, c'est quand même, on se dispute souvent sur le choix des objectifs, mais enfin c'est très constructif comme dispute. Je mets la caméra là où elle doit l'être, je choisis l'objectif, c'est moi qui choisis la composition, enfin je veux dire la composition de l'image, donc l'objectif, les instructions pour le chef-op, pour qu'il sache exactement ce que j'essaie de faire, mais après ça, c'est pas moi qui fais l'éclairage, c'est Janusz qui est un magicien de la lumière, j'ai pas besoin de faire autre chose, c'est-à-dire que je ne connais personne qui comprenne aussi bien la lumière que lui, que Janusz, c'est qu'il peut s'adapter selon les scènes de manière aussi remarquable. Vos collaborateurs aussi, il y a Michael Kahn, votre monteur, avec qui vous montez tous vos films. Et c'est la première fois, je crois, que vous montez en Avid avec War Horse. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes passé sur Avid? Et est-ce que vous avez envie de rester
de continuer à travailler le montage de vos films sur Avid ou de revenir au vieux système avec l'étape de montage film? Bon, là, il faut reconnaître que le dernier film que j'ai coupé sur une table, que j'ai monté sur une table, c'était le film qui précédait Tintin, parce que dans Tintin, évidemment, c'est un film d'animation. Donc, et quand j'ai fait Tintin, justement, et je travaillais sur l'animation, et en même temps, je commençais à travailler sur War Horse. Et en fait, on ne pouvait pas avoir deux technologies sous le même toit. On ne pouvait pas avoir le système analogique pour War Horse avec la caméra, etc., à côté du système numérique Avid qui a besoin d'une autre salle. Donc j'ai pris la décision avec mon monteur de monter War Horse sur Avid. Mais j'ai dit, mais dès qu'on refera sur Will Lincoln, je retournerai à la table de montage classique pour des tas de raisons que je préfère par rapport à Avid. C'est ce que je me suis dit. Et puis mon monteur a quoi, 76 ans maintenant, et il m'a dit, tu sais, ce serait quand même pour moi beaucoup plus facile de travailler sur Avid. Alors je dis, tu me dis que tu es trop vieux pour monter sur la table de montage. Non, non, je peux le faire jusqu'à la fin de mes jours. Mais quand même, ce serait sympa de travailler avec une souris, c'est quand même plus sympa. Et alors, évidemment, on peut comparer les résultats. Hein. Tu prends 7 images, vous les présentez simultanément, on peut les comparer. Ça, on ne peut pas le faire avec une table de montage classique. Et il m'a convaincu. Alors, bon, Lincoln sera également, on le monte en ce moment d'ailleurs, sera monté sur Avid. Alors je continuerai à tourner avec de la pellicule et le film sera distribué sous forme de pellicule, mais Andy était probablement le dernier film monté de manière classique. On sort de War Horse, si vous voulez, on ne peut pas le poser. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous, parce que vous réalisez des films, vous produisez des films d'autres cinéastes, vous produisez des séries de télévision, vous êtes très très impliqué. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites ce sujet, c'est moi, c'est pour moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un sujet que vous avez vraiment envie de réaliser vous-même parmi toutes vos activités? Souvent, c'est le projet qui me trouve, c'est pas moi qui trouve le projet. C'est-à-dire que c'est moi, je ne vais pas aller chercher des sujets, des histoires, je ne vais pas parcourir les librairies pour trouver une histoire qui m'intéresse, parce que la plupart, de toute façon, les droits sont vendus bien avant d'être publiés sous forme de livres. Généralement, que ce soit un film ou une série télévisée, les droits sont déjà vendus. Donc, je ne m'y prends pas comme ça. C'est plutôt les choses qui arrivent vers moi. Tout ce que j'ai réalisé, ce sont des choses qui se sont passées comme ça. Ce n'est pas parce que je suis allé les chercher, elles m'ont trouvé. Ce n'est pas des genres que je voulais faire. Quand j'étais gamin, c'est vrai que je voulais faire un film sur les ovnis. Je croyais aux ovnis. Je me disais que les ovnis, c'était quelque chose, un élément mythologique contemporain qui était absolument fascinant, donc je voulais tourner un film là-dessus, et c'est comme ça que les rencontres du troisième type sont arrivées. Et je n'ai pas pu le faire avant d'avoir tourné Les Dents de la Mer, mais avant Jaws, personne ne voulait entendre parler des ovnis, et puis tout d'un coup, grâce à ma notoriété, j'ai pu tourner les rencontres du troisième type et les ovnis, et c'est comme ça que les idées arrivent à l'écran. Comme War Horse, Kathy Kennedy, qui est ma partenaire de production, avait vu la pièce, m'a dit, ça c'est quelque chose qui doit être fait, si tu lis le livre, si tu vois la pièce, tu verras, en tant que réalisateur, tu as envie. Et elle connaît l'histoire mieux que moi. Et j'ai lu le livre, j'ai vu la pièce, et tout de suite, je savais qu'elle avait raison. Hein, c'était quelque chose que je devais faire tout de suite. Et les films que je réalise, ce sont des coups de cœur. Hein, c'est des moments irrésistibles. Et les autres films que je ne réalise pas ne touchent pas de la même façon. Cette question. Vous devez recevoir des dizaines, des centaines de scénarios chaque année. Et aussi des centaines de livres. Tout doit converger vers vous, là, les plus beaux sujets. Alors, est-ce que vous avez un petit groupe de gens qui lisent pour vous, qui vous disent telle chose, il faut le lire, ou telle chose, ne pas le lire ? Comment faites-vous ? Parce que, humainement, vous ne pouvez pas lire tous les scénarios qu'on vous envoie. Non, effectivement, et je n'ai pas le temps, mais DreamWorks, ma société qui existe depuis 1994, a des équipes et j'ai une direction, enfin un département qui s'occupe justement des scénarios, et quelquefois on voit des scénarios à produire.
pas moi-même, mais ma société qui peut le produire. Par exemple, Catch Me If You Can, Attrape-moi Si Tu Peux, c'était ce personnage, Frank Abagnale Jr., qui faisait semblant d'être pilote de ligne, avocat, et tout ça. Et c'est une histoire vraie. Et on voulait le faire. Et puis, Harvey Weinstein. S'était dit, voilà, vous nous devez un film, et donc il a réussi à me faire ce film. Mais je veux dire que je n'avais pas très envie au départ, mais je suis tombé amoureux de ce projet, et c'est comme si on suit une femme. Elle divorce de son mari et elle devient disponible. Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai épousé Catch Me If You Can. C'est un peu une histoire comme ça. C'était des anecdotes de ce genre. Bon, là, c'était un film qui m'était tombé dans les bras, en quelque sorte. Mais souvent, c'est par hasard que je tombe sur les films. Je ne suis pas très ouvert, pas très disponible. Ce n'est pas sur mon radar, les films. Le film qui me plaise le plus, c'est avant de m'engager, souvent, les meilleurs films, 2 ans avant de les tourner, je n'y pensais même pas. Vous faites 2 films. Alors, on se dit, par exemple, là, en 2011, vous avez fait Tintin et War Horse. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est en 2005, vous faites La Guerre des Mondes et Munich. Ou bien en 93, vous faites Jurassic Park et vous n'avez pas fini le film, que vous entamez déjà la liste de Schindler. Il y a des moments où vous sentez qu'il y a une urgence absolue à faire un film. Il y a quelque chose qui s'impose à vous, qui fait que vous faites 2 films dans l'année, ce qui est en général assez lourd. Comment faites-vous ? Everybody thinks it's quite a big job. Ça a l'air d'être très lourd, que c'est incroyable, que je crois que c'était en 96-97, j'ai réalisé 3 films en 12 mois. Le Monde Perdu, la suite du Jurassic Park, Armistead et Le Soldat Ryan. Et on s'est dit en 3 heures, comment, mon Dieu, avez-vous pu faire ça? Ça me paraît incroyable. Et j'ai dit, regardez, lisez un peu l'histoire de Hollywood. John Ford faisait 4 films par an, Hard Horse. C'était comme ça autrefois, Hollywood. Les réalisateurs passaient d'un studio à l'autre. Victor Fleming a fait plus de films que tous les autres réunis en l'espace d'une année de sa carrière. Et c'est pas que j'ai une immense admiration pour eux ou que je veux les imiter, mais simplement c'est faisable, parce que si vous êtes un conteur, comment s'arrêter? Quand je n'ai pas d'histoire à raconter, moi je suis en manque. Je suis insupportable. Demander à ma femme et à mes enfants, je suis insupportable quand je suis dans les parages si je n'ai pas un film tout de suite à tourner, à réaliser. Je suis malheureux. Je tourne comme un lion en cage dans la maison. Les enfants essaient de me faire les devoirs. Si seulement j'avais un film à faire, je m'en sortirais bien mieux qu'avec les devoirs. Parce que je suis malheureux comme une pierre quand je n'ai pas de film à faire. Donc je saute à bras ouverts dans le premier projet qui m'intéresse. Et c'est la famille qui dit, il n'y a vraiment rien qu'on peut lui donner à tourner. Au secours, les malheureux comme tout. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, effectivement, j'ai réalisé, comme cette année, War Horse et Tintin. Projet qui avait commencé il y a bien des années. Il y a 2 ou 3 ans d'animation. Mais enfin, il se trouve qu'ils sont sortis en même temps. Et Lincoln, que je viens de terminer le 21 décembre. Vous avez cité des cinéastes américains. Ils n'avaient pas tous le fan club. Quand, dans votre vie, vous vous êtes dit ma stratégie, c'est d'obtenir le final cut. Il faut que j'obtienne le final cut de la part des studios. Tous les cinéastes ne l'avaient pas, même John Ford. Le montage était fait par d'autres. Vous, c'est quelque chose où vous vous êtes dit, vous étiez très jeune, vous vous êtes dit, ça, c'est, il faut que j'obtienne ça, le final cut. I think John Ford did have final non, cut, il me semble, pas sur ses contrats, mais en réalité, dans les faits, il avait le final cut. Et puis souvent, c'est lui qui montait les films dans sa tête de telle sorte. Il ne montrait pas ses plans. Tout était dans sa tête et c'est comme ça qu'il y est arrivé par la petite porte, en quelque sorte. Moi, effectivement, j'y suis arrivé très, très tôt grâce au succès de Dents de la Mer, de Jaws. En fait, j'ai même pas demandé. On supposait que j'allais l'exiger. Donc, dès que j'ai eu le contrat pour Rencontre du troisième type avec Columbia, on n'a même pas eu besoin, c'était déjà dans le contrat, parce qu'on supposait qu'on allait le demander. Ils ne m'ont même pas demandé, ils m'ont amené sur un plateau d'argent, et depuis, j'ai toujours eu le final cut. Et j'attends qu'ils me l'enlèvent, mais enfin, vous savez, ce qui est important,
sur le final cut, et le vrai danger d'ailleurs par rapport à tout cela, c'est que ça veut dire que personne ne peut, vous ne pouvez pas avoir un bureaucrate qui rentre dans votre salle de montage et qui vous bousille votre film en trois jours. Bon, ça n'est pas possible, c'est bien. Le danger par contre, c'est que quelquefois on n'écoute plus personne et n'écoute pas les avis des gens qui ont quelquefois des bons conseils. Et là, il faut savoir que c'est un travail qui est quand même d'équipe. Les idées de chacun sont importantes. Alors, elles ne sont pas toujours efficaces et pas toujours, ça ne le fait pas toujours, comme on dit. Il faut que les idées se prêtent à l'histoire. Mais je suis toujours ouvert et j'ai toujours fait cela. Alors, même si j'ai ce final cut, je suis quand même allé demander l'avis de mes amis en disant, voilà, regarde les rushs, qu'est-ce que tu en penses, où est-ce que ça traîne, où est-ce qu'il faut un peu de montage, qu'est-ce que je dois retourner, enfin bon. Et j'ai eu ces avis de mes collègues depuis de nombreuses années. Si vous voulez bien, je voudrais revenir aux origines. L'idée générale en France, c'est que votre premier film, c'est le duel. Mais ce n'est pas d'exact. Je pense que c'est un film de télévision. Et avant, vous aviez fait deux autres films de télévision. Un avec Joan Crawford, grande actrice. Un autre, c'était des séries. Et un autre, un Colombo aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Bien. Mais moi, je reste quand même au duel. Et comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des jeunes cinéastes, futurs cinéastes dans la salle, ou même des cinéastes. Comment choisit-on un film aussi extraordinaire, un sujet aussi extraordinaire? Je pense que c'était vraiment des gens à main de maître qui de choisir un sujet d'une grande simplicité, avec une tension extraordinaire, et aussi avec une métaphore aussi sur nos angoisses et comment les survivre, comment les combattre. Comment c'est venu cette idée? Vous savez, c'est intéressant que vous parliez de duel parce que quelquefois je tombe sur un projet par hasard et c'est souvent une question de hasard, de change. J'étais en train de faire effectivement un projet de télé pour la Universal Studios. Ma secrétaire est entraînée. Est-ce que tu as lu ce dernier numéro de Playboy? Je dis, pourquoi tu l'as lu, toi? Oui, oh, moi je lis toujours Playboy. Il y a une nouvelle de Richard Matheson qui s'appelle Le Duel, The Duel, dans Playboy. Cette nouvelle extraordinaire dans Playboy, l'histoire donc d'un camion, un homme dans sa voiture, et j'ai vu le film rien qu'en lisant l'histoire. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce film. Comment m'y prendre? Et là, j'ai vu que quelqu'un avait déjà acheté les droits cinématographiques et ils étaient sur le point d'en faire un film. Un téléfilm à Universal. Et j'ai eu à leur montrer que le pilote de Colombo, j'avais que des rushs, et le directeur de Universal a regardé donc mon heure, 1h10 de Colombo. Il a trouvé ça génial. Il m'a défendu auprès de ABC pour voir si ABC allait m'engager. Il a dit non, il était trop jeune. Ça fait longtemps. Il nous faut quelqu'un d'expérience pour faire. Lui, c'est un gamin, Spielberg. Et George m'a vraiment insisté, les a eus à l'usure. Quand on a proposé d'autres réalisateurs, ils les ont tous refusés. Et à la fin, on me dit, bon, très bien, à condition, s'il se plante, George, ce sera ta faute. C'est ce qu'on lui a dit. Et donc, un remarquable producteur, d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Duel. Vous avez une relation, grâce à ça, et puis d'autres, les autres séries que j'ai mentionné, vous avez une relation assez étroite avec la télévision, finalement, puisque vous produisez aussi des séries. C'est important pour vous, la télévision? Parce que je sais, peut-être ici en France, beaucoup de metteurs en scène, beaucoup entre nous, nous considérons un tout petit peu comme un art, je dirais, secondaire, sinon tertiaire. Vous savez, en Amérique, la télévision n'est pas un art secondaire du tout. Les meilleurs scénarios ont été écrits pour la télévision, par câble. Les meilleurs auteurs de séries sont sur HBO et AMC, les petites chaînes du câble de la télévision américaine, des films qui sont faits que pour ces chaînes, qui cherchaient un contenu de qualité. Tout le monde cherche du contenu de qualité, mais là, vous avez les meilleurs talents. Mais pas simplement
des scénaristes, des dramaturges qui écrivent des pièces sur Broadway. Et Boardwalk Empire, Les Sopranos, voilà des exemples de séries remarquablement écrites. Ou Modern Family, qui est une série télévisée, une comédie. C'est encore plus drôle que les meilleures comédies qu'on trouve au grand écran. Donc la télévision, en tout cas, n'est pas du tout un art secondaire, mais très, très fondamental. Il connaît une renaissance, d'ailleurs, aux États-Unis. Il y a un nouveau film qui est très important, c'est l'enfance. Vous traitez l'enfance, à la fois les enfants, mais aussi l'enfance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour vous, l'enfance? Pourquoi? On a l'impression que vous puisez toute votre imagination, votre énergie dans l'enfance. Quel est le secret chez vous, là, lié à l'enfance? On a le sentiment que... Moi, je suis très... Est-ce que vous avez vu L'Enfant Sauvage de Truffaut quand vous étiez au début de... Parce que j'ai toujours le sentiment, quand je vois vos films, que vous êtes un peu comme chez Truffaut. L'enfant veut rentrer dans le monde, et le monde souvent refuse les enfants. Et on a le sentiment que vous faites des films pour imposer l'enfance comme la chose la plus belle au monde. Est-ce que c'est vrai ? C'est en grande partie vrai, et c'est pour ça que j'ai mis François Truffaut dans les rencontres du troisième type. Je ne savais pas qu'il était capable d'être un acteur, mais j'avais vu effectivement L'Enfant Sauvage et l'a joué dedans. Et là, je suis venu à Paris pour trouver une vingtaine d'acteurs, mais en fait, je l'avais écrit pour Truffaut sans penser qu'il accepterait. Et on avait travaillé pendant des mois avec Truffaut, on s'est bien connus, et il estimait que j'étais moi-même un peu un enfant sauvage. Et nous sommes tous les deux des enfants sauvages. Et Truffaut était en train de monter à Mobile, Alabama, l'argent de poche. Il était en train de monter l'argent de poche. D'ailleurs, je lui ai trouvé le titre américain. L'argent de poche. Et il disait, comment on dit l'argent de poche en anglais? Je lui dis, ça se dit small change. Et il m'a raconté l'histoire. Et c'est devenu le titre américain du film. Donc je l'ai à trouver ce film. Et il a dit, tu dois travailler avec les enfants. Et moi, j'ai adoré l'expérience. Je te la recommande vivement. Fais des films avec des enfants. C'est venu un peu de Truffaut. Donc. Et j'ai jamais oublié ce conseil. Lui, il a Truffaut. It's just who I am. Je suis comme ça, c'est-à-dire que on peut pas intellectuellement se purger de sa personnalité. Hein. La chasser le naturel revient au galop et au galop à travers le film. Enfin, on transparaît dans ses films, c'est inévitable. Peut-être, c'est peut-être pas évident pour soi-même, mais pour les films, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se changer intellectuellement, devenir quelqu'un d'autre. On ne peut pas chasser le naturel. Ça se voit tout de suite. Il revient tout de suite au galop. Les artifices se voient tout de suite. Et donc, s'il y a des films sur l'enfance ou la présence de l'enfance, c'est probablement que c'est viscéral en moi. C'est ça le secret dont vous parliez, Costa, alors oui. Mais Truffaut, Steven, Truffaut a été sauvé par le cinéma. Et j'ai l'impression que vous aussi, le cinéma... Enfin, est-ce que le cinéma vous a sauvé dans la vie? Est-ce que le cinéma, ça a été... C'est plus important que la vie pour vous? Ou est-ce que c'est la vie? Well, I thought film was more important. Moi, il me semblait d'abord que le cinéma était plus important que la vie pendant quelques années. Et puis en 95, mon premier enfant est né, je me suis rendu compte que le cinéma est devenu moins important. Et là, j'ai commencé à devenir beaucoup plus authentique parce que j'avais le reflet d'un véritable être humain dans ma vie qui grandissait, qui évoluait. Et là, je me suis rendu compte que j'ai une véritable raison de travailler encore plus, encore mieux. Mais pendant longtemps, effectivement, pour moi, le cinéma, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Et comme je le dis, si je n'ai pas une histoire à raconter, je suis très malheureux. Nous sommes là en plein dans le... Alors je poserai une question un tout petit peu provocatrice, parce que nous sommes en plein dans les relations de cinéma américain et cinéma français. J'ai entendu la chose suivante par un producteur très célèbre en Amérique, qui a fait des gros succès, qui m'a dit, vous voyez, vous en France, quand vous faites un film, vous dites au départ, je vais faire une œuvre importante. Tandis que nous, nous faisons un produit qui peut devenir une œuvre importante par la suite. C'est-à-dire le contraire de vous, Français, m'a-t-il dit. Y a-t-il une part de vérité dans cela? C'est presque un crime contre le cinéma que d'appeler un film un produit. Enfin, c'est un crime contre le cinéma. Product. Do you have product this year or you don't have product, enough product?
Yeah, and they also say, peut-être ils disent également, let's take a lunch. Comment on prend un déjeuner, c'est-à-dire qu'on rentre dans un restaurant où quelqu'un est en train de déjeuner, on lui pique son assiette. Enfin, il y a des expressions très curieuses à Hollywood. Je suis navré de les voir venir ici en France, un pays de véritables cinéphiles, et tout d'un coup on entend parler de produits et de déjeuner qu'on prend. Oh là là, je suis vraiment navré. J'ai honte pour mes collègues qui quelquefois disent des choses, mais ils sont pas tous comme ça. Les réalisateurs vous diront jamais ça, peut-être des producteurs, mais pas les réalisateurs. Effectivement, c'était un producteur, n'est-ce pas, qui disait ça? Ou alors peut-être un directeur de studio, un bureaucrate. Bon, en fait, je suis moi-même directeur de studio. Bon, mais pas le standard, disons. Avec l'expérience, est-ce que vous pensez que la tonalité de vos films a changé? Est-ce que vous pensez que, ou depuis le 11 septembre 2001, est-ce que vous pensez que votre œuvre est différente? Est-ce qu'elle est plus grave ou est-ce qu'elle est moins portée à l'émerveillement, par exemple? Ce qui est un peu mon avis, mais est-ce que c'est le vôtre? C'est vrai, il y a deux choses qui ont modifié ma façon de voir le monde, de voir la vie. Et alors, évidemment, quand je dis les idées reviennent au galop, même si on les éloigne, et elles ressortent à travers mes films. C'est vrai que le 11 septembre 2001 a changé beaucoup de choses pour moi, comme pour beaucoup de gens à travers le monde. Et c'est vrai que mes films sont devenus un peu plus sombres. Minority Report est un regard très sombre sur l'avenir, la guerre des monde, qui était une référence directe au 11 septembre quand même, était typiquement une histoire post-11 septembre. Ce n'était pas l'intention au départ, mais au bout du compte, c'est ce qu'il en est ressorti. Donc effectivement, les événements du monde ont une incidence sur la façon dont mes films apparaissent. Et je crois que c'est un bon signe, ça montre que j'évolue moi-même et que je suis sensible à ce qui se passe. On peut tous aimer le cinéma, s'y perdre, mais on peut se perdre dans ce monde de fantasmes du cinéma parce qu'on vit sur une autre planète. Moi, quand je vois un film, je vois quelque chose qui a traversé une génération. Entre le scénariste, le réalisateur, tout le monde a participé. Mais d'abord, le scénariste et le réalisateur sont les premiers acteurs du film et on voit la façon dont eux, ils voient le monde à travers leurs yeux. On peut être d'accord avec eux ou non sur leur façon de voir les choses, mais ça n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est une révélation de deuxième génération. Ce n'est pas quelque chose qu'on reconnaît tout de suite. Quand quelque chose se produit dans nos vies, quelque chose arrive à nos amis, des tragédies ou même quelquefois des événements heureux, lorsqu'on voit ces choses apparaître, toutes ces choses, il faut se les rappeler. Et quand on voit un film, il faut se dire que ce n'est pas la vraie vie. C'est la façon dont une vraie personne voit la vie. Et c'est pour cela qu'en étant sensible au monde, et plus que jamais, à l'actualité, la situation politique dans le monde entier, malheureusement, parce qu'on vit dans un monde extrêmement mondialisé et on ne vit pas de manière isolée, on ne peut pas fermer les yeux sur le reste du monde. Il faut bien comprendre comment le monde est interconnecté. Et parce qu'il y a cette interconnexion, parce que je suis sensible au monde, parce que j'ai des enfants que je veux protéger, j'ai eu, bien entendu, après la naissance de mes enfants, moi j'ai 7 enfants, j'ai eu beaucoup, à mesure que mes enfants naissaient, j'avais de plus en plus peur pour mes enfants. Et évidemment, tout cela vous donne un autre regard sur la vie. Serge a prononcé les mots « émerveillement ». Moi, je voudrais vous dire, ce n'est pas une question, je voudrais vous dire simplement que vous êtes encore le metteur en scène qui prouve que l'émerveillement est possible avec le cinéma. Il fallait que je savoure votre réaction à vos paroles, parce que moi-même, je ne saurais même pas quoi répondre à de si belles paroles. Je ne ferais que gâcher le moment. On a encore 120 questions à vous poser, mais moi, je voudrais vous dire que je suis très, très intimidé de vous rencontrer, Oui, je suis comme toute la salle et toutes les trois salles de la Cinémathèque, parce que c'est vrai que vous êtes. On a le sentiment que vous réussissez votre vie
Et en réussissant votre vie, vous posez des questions au monde et vous les posez de la façon la plus honnête possible. Et ça, je trouve ça... on voit bien à vous écouter qu'il y a une grande humilité dans ce que vous dites. Il y a des choses dont vous êtes certain, des choses sur lesquelles vous vous posez des questions. Et avec la réussite qui est la vôtre, vous pourriez être au-dessus de tout ça, arrogant et plein de certitudes. Et moi, je trouve incroyable, j'ai revu beaucoup de vos films pour préparer cette masterclass, et je suis frappé par cette capacité, cette lucidité que vous avez sur le monde. Cette lucidité, cette intelligence et cette lucidité que vous avez sur le monde. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps... Ce n'est pas une question, c'est un commentaire, pardon. Mais vous êtes tout le temps en face des choses et vous les regardez. Vous n'avez pas peur de regarder les choses et le monde tel qu'il est. Je crois que tous, dans une certaine mesure, nous avons besoin de regarder le monde en face et de ne pas se mentir sur la réalité du monde. Mais il y a autre chose, une autre chose dans laquelle je crois beaucoup. Il y a un réel danger à avoir trop confiance en soi. Je vais dire de moi ce sujet. Vous savez, lorsque je fais un sequel, la suite d'un film qui a bien marché, je sais à peu près où je vais, mais mes sequels, justement, n'ont pas très bien marché. Et je pense à mes propres films et je dis, en fait, je travaille mieux lorsque je suis dans un état, disons, de confusion, de chaos, d'angoisse, d'incertitude, parce que là, je travaille plus dur pour trouver la bonne idée, je cherche plus loin, je travaille de plus près aux détails, une scène d'un instant, un problème du scénario. Si je suis trop sûr de mon affaire, qu'est-ce qui se passe? On dit, ouais, non, c'est très bien comme ça, on est très satisfait, pourquoi changer, tout va très bien, pourquoi le mieux est l'ennemi du bien, etc. Et l'absence de confiance au jour le jour, c'est probablement ce qui est mon adrénaline à moi. Et si, à la fin de la journée, et je suis content de ce que j'ai fait, c'est très bien. Mais il ne faut pas arriver avec cet esprit de satisfaction, d'auto-satisfaction. Et c'est la même chose pour les tennismen. Il ne faut pas arriver sur le court trop sûr de soi. Et ensuite, on ne comprend pas pourquoi on rate toutes les balles. Et c'est la même chose au cinéma. Lorsque vous faites un film, lorsque vous jouez dans un film, lorsque vous participez à la réalisation, à la production de quelque chose qui vous représente d'une certaine façon, alors on ne le fait pas en partant d'une position de vainqueur, de certitude. Il faut toujours se dire, est-ce que c'est suffisamment bien, suffisamment bon pour mon public, mais est-ce que c'est suffisamment bon pour moi-même, à la hauteur de mes propres attentes? Et je crois qu'il faut toujours être en deçà de la cour plutôt qu'au-dessus. Je sais, pour prolonger ce que disait Serge, votre vie n'est pas seulement le cinéma. C'est-à-dire que vous avez un regard sur le monde. Je sais que vous avez créé la Shoah Foundation, qui est un travail extraordinaire, je trouve, qui consiste... je vous laisse dire deux mots sur ça, parce que c'est très intéressant. Et c'est ça, on parlait de la vraie vie et du cinéma. J'ai fait des films où j'essaie de m'approcher autant que possible de la vraie vie, et à part Il faut sauver le soldat Ryan, il y avait effectivement la liste de Schindler, où j'ai essayé autant que faire se peut, de manière juste, rendre hommage au témoignage des survivants de la liste de Schindler et des gens qui avaient survécu à la Shoah. Je me suis dit que j'avais fait la meilleure œuvre de ma carrière avec Schindler's List, enfin, avant même qu'il ne soit distribué. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que finalement, ma meilleure œuvre, c'était juste là, c'était en fait la Shoah Foundation, qui, à travers l'engagement, ou plutôt grâce à Schindler's List, la liste de Schindler, évidemment, les regards se sont tournés vers cette fondation et le public a voulu en savoir plus sur la Shoah après la distribution du film. Et je me suis dit, mais si nous prenions des caméras vidéo dans le monde entier pour filmer les survivants de la Shoah et les faire parler de leur expérience, cela pourrait être utile aux écoles, aux programmes de sciences sociales et dans le monde entier, pas simplement en Amérique. Et c'est là, je crois que c'est
possiblement le plus grand résultat de la liste de Schindler, où il y a eu quelques 50 000 témoignages de survivants de la Shoah, pas simplement ceux de la liste de Schindler, parce qu'il y avait quelques, un peu plus de, il y avait 1200 survivants, mais ceux qui avaient survécu à la Shoah, il y en a la moitié qui ne voulaient pas nous parler du tout et qui ne voulaient plus jamais en parler, mais il y en avait d'autres, et ça c'est intéressant. Bien des survivants n'avaient jamais raconté à leurs propres enfants ou petits-enfants ce qui leur était arrivé en Pologne, en Allemagne, et ils ne voulaient toujours pas en parler, mais ils nous ont donné les bandes, les enregistrements que nous leur avions donné. Nos enregistrements des autres survivants, ils les ont montrés à leurs enfants. C'était leur façon de parler de cet épisode terrible. On va arrêter. Parce qu'il faut... Je peux répondre à deux questions dans la salle. Allez-y, je vois des bras qui se lèvent. Le monsieur debout, là, il a, voilà. Est-ce qu'il y a un micro? Le monsieur debout, là. Comment? Thank you. Hello, Mr. Spielberg. Bonjour, monsieur. My name is Sylvain. I'm storyboarder. Sylvain. By the way, I used to work for you a long time ago because il y a longtemps, j'ai travaillé pour vous parce que j'étais moi-même cadreur pour la Shoah Foundation. Donc je vous connais et j'avais une question concernant votre rapidité. Depuis le tournage de L'Arche perdue, la dernière, vous arrivez toujours à terminer vos films dans les temps, dans les délais, même quelquefois avant les délais impartis. Vous ne perdez pas une seconde et vous n'êtes pas en quelque sorte handicapé par les problèmes classiques des artistes, les doutes, les hésitations. Vous allez droit au but. Alors, comment arrivez-vous à vous organiser pour être si libre par rapport aux interrogations artistiques et si rapide? Vous savez, tourner rapidement, c'est très bien parce que ça me permet de voir tout de suite les rushs, de tout de suite de voir les films, parce que mes premiers films, Jaws, il m'a fallu 150 jours, les rencontres du troisième suite, 130 jours, 1941, 187 jours. On ne voit pas le film lorsque on ne tourne sur une période aussi longue. On perd toute son objectivité avant d'arriver à la salle de montage. Alors moi, je me suis dit, quand je tourne vite, je peux voir tout de suite le film. Je vois le film se monter en l'espace d'une journée. Et si je peux avoir une trentaine de plans en une journée, je peux voir le film se raconter en quelque sorte. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore travailler vite. En plus, c'est pas pour gagner de l'argent ou pour être un héros pour les studios, pour la maison de production, mais c'est parce que c'est ma façon de rester objectif. Encore deux ou trois, pas plus. Hein. Comment vous dites? On n'a pas le temps. Alors, encore une ou deux, allez. Alors, ça va être dur. Hein. Allez. Allez. Où est le micro? Allez. On n'a pas beaucoup de temps. Hello, sir. First of all, I'm a kid born in the 80s, so would like je suis né dans les années 80 et je tiens à vous remercier pour tous les films que vous avez réalisés ou produits, notamment Retour vers le futur, enfin des films qui m'ont émerveillé, comme tout le monde d'ailleurs. Une question sur la production. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre travail en tant que producteur? Quelle est votre participation au niveau du développement? Est-ce que vous êtes déjà sur le plateau pendant le tournage? Deuxième question, j'ai 25 ans, j'ai les cheveux bouclés, j'ai un diplôme en cinéma et en finance publique. Quelle est votre adresse email pour que je puisse vous envoyer mon CV? Alors, pour la deuxième question, malheureusement, je ne peux pas y apporter de réponse, mais pour la première question, est une bonne question. You know, I really feel that
Il me semble qu'en tant que producteur, la meilleure chose, c'est d'abord de trouver le meilleur réalisateur pour le projet. Et si j'ai travaillé correctement, j'ai bien choisi mon réalisateur, je n'ai pas besoin de venir sur le plateau et de passer derrière le réalisateur. C'est son film, à lui ou à elle d'ailleurs. Et donc, si je choisis bien le réalisateur, je n'ai vraiment pas besoin de me pointer. Hein, les réalisateurs me montrent leur séquence. Je peux leur proposer des idées, mais enfin, ils ont leur propre façon de voir les choses. Et s'il y a échec, c'est parce que j'ai mal choisi le réalisateur. Mais si le réalisateur est mal choisi, c'est trop tard. On ne peut pas réparer ça. Donc, une fois que je choisis le réalisateur, je leur donne énormément de liberté. Et j'aime bien engager des nouveaux réalisateurs. Il y a un réalisateur qui a réalisé The Help. C'était son premier film. Il a écrit une merveilleuse adaptation du livre de Kathleen. Et parce que c'est un film tellement à la fois très drôle et très émouvant, Stacy et moi, on s'est dit, on va choisir pour réalisateur quelqu'un qui n'avait jamais réalisé quoi que ce soit. C'était un acteur. On lui a trouvé un bon opérateur. Un cadreur, Steven Goldman, qui est un chef-op de premier plan. Si je choisis bien mon réalisateur, c'est le secret du succès en tant que producteur. Non, il doit partir. Baissez les bras. Soyez bref, parce que nous... Je vais être bref. Je suis désolé, M. Spielberg, je vais vous poser la question française parce que je suis trop ému pour le poser en anglais. À la fin d'un film, on voit un héros qui tire sans résultat sur un monstre, un prédateur qui s'approche vers lui. Et puis le monstre finit par exploser. Et dans un cas, c'est un requin, dans un autre cas, c'est un char, c'est un tigre. Je voulais savoir si j'ai rêvé ou c'est vraiment vous. Enfin, vous savez que vous avez fait une référence interne entre deux de vos films, à savoir Les Dents de la Mer et Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, à faire, je pose directement la question à M. Spielberg. Et si je vois juste, qu'est-ce qui vous amène comme ça à faire des références d'un film à un autre ? Est-ce que c'est simplement par jeu ou il y a quelque chose d'autre derrière ? Qu'est-ce qui vous amène à faire ce jeu avec le spectateur ? C'est une bonne question. Je ne sais pas des références conscientes. Que ce soit le char du soldat Ryan ou le requin dans Jaws, je parlais de l'évolution du monde de la technologie qui finit par l'emporter sur le cheval, qui est remplacé par les engins de guerre et de mort. Et donc on voit le visage du char, du visage de Joe. Joe ne sait pas comment faire. Finalement, il a l'intuition de sauter par-dessus le char. Mais j'y pense pas. Et je n'ai pas pensé ni à Jaws ni au soldat Ryan. Pour ces scènes, c'était une métaphore sur cette guerre et sur cette nouvelle donne qu'apportait la technologie, la révolution technologique, et qui rendait le cheval obsolète en quelque sorte. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci. Merci. Vraiment, désolé, on a vraiment un temps très, très limité. Je sais que beaucoup de questions sont restées. Bon. Je voulais vous dire que cette leçon de cinéma a été filmée par Arte TV, retransmise en direct, et vous la trouverez donc sur le site de Arte TV et sur celui de la Cinémathèque française. Et merci beaucoup pour votre accueil.